Bonjour, c'est la dernière rencontre de Ligue 2 à Marcel Picot. Nancy rencontre Evian et nous avons décidé de vous faire vivre le match un peu différemment avec à mes côtés Jacques Rousselot. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Tendu, heureux? Pas tendu ce soir, plutôt décontracté. Je crois que c'est rare dans une saison où on peut avoir les mains en haut du guidon. Ce soir, c'est vraiment un grand moment, c'est une délivrance. C'est 3 ans de purgatoire, 3 ans difficiles que l'on a vécu. On ne va pas terminer comme ça. Je pense que ce soir, il faut aller chercher la victoire pour justement clôturer une saison magnifique et aller chercher le titre de champion de Ligue 2. Il va falloir qu'on soit armé parce qu'ils ne vont pas arrêter de dire le synthétique, le synthétique, le synthétique. Ça a d'ailleurs commencé. Oui, mais le synthétique, c'est magique. Donc là, je ne serai pas long ce soir, je crois que ça va faire parler, mais il faut toujours des sujets pour faire parler l'adversaire, et je pense que ça sera un bon sujet. Mais ça fait 6 ans qu'on entend ça, ça sera la 7e année, donc ça sera la dernière année, donc je pense qu'il faudra des sujets pour mes amis Jean-Michel Aulas, Antonetti et compagnie. Donc il n'y a pas de souci, on va faire en sorte d'alimenter les sujets de conversation. Arnaud Le Certeur, alors c'est l'ami de tout, mais alors vraiment de tous les joueurs sans exception dans le vestiaire, hein, c'est ça Arnaud, ils aiment le physique, ils aiment la préparation, ils aiment souffrir. Ils aiment souffrir, ils savent que c'est bon pour eux à la fin, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Quoi. Un mot sur ce qu'on a vu, ce que tu as mis en place, c'est quoi un bon entraînement d'avant-match, un bon échauffement? Un bon échauffement d'avant-match, ben, c'est déjà mettre le joueur en condition psychologiquement, donc... Il faut déjà qu'ils prennent les repères, donc c'est pour ça qu'on leur laisse une période libre de 3 minutes où là ils prennent le repère sur l'environnement, ils ont une première mise en condition physique et puis après on passe à des choses plus spécifiques, notamment avec le ballon. Il est 19h47, à quelle heure sortent les joueurs et combien de temps ça dure? Là on va sortir dans un quart d'heure, donc on sort toujours à 40 minutes avant et il faut qu'on soit rentré un petit quart d'heure avant. Voilà, donc c'est... Il y a vraiment un timing très précis par rapport à ce que nous donnent les officiels. On essaye de le faire le plus possible dans le calme, que ce soit le plus profitable possible pour tout le monde en fait. Alors tu es préparateur physique, est-ce que tu penses que tu peux faire des miracles pour moi pour cet été? Miracle, ça dépend de la volonté. Donc quand on a de la volonté, on peut tout faire, donc à voir. Je viens, j'en finirai mon survêt et puis on se retrouve en forêt. Pas de soucis, je serai là. Merci. Vous êtes fan de la SNL Web TV? Fan. Je vois toujours faire des super reportages avec les joueurs dans le vestiaire. Donc ça, j'adore. Et je me suis dit, le jour où je le vois, je ferai une photo avec. Alors vous voyez le monsieur, c'est lui qui fait la plupart des images. Voilà, c'est François. Il faut lui dire un petit coucou, François. Et voilà, on a fait un maillot pour remercier tous les joueurs. Voilà, merci. Belle saison. Donc franchement, on peut les remercier, les joueurs, tout le staff, tout le monde, Jacques Rousselot. Et ce soir, je pense que ça va être un super beau spectacle. Alors bon, on fait la photo, c'est parti, François. Et voilà, ça y est, j'ai le melon, c'est fini. Merci, bonne soirée. Ouais, tous les jours, je m'entraîne entre 3 et 5 heures. Sur la partie, puisqu'il y a 4 parties, il y a le lower body. Le upper body, c'est ce qui consiste à enchaîner des tricks avec le haut, avec la tête. Et moi, je suis plus spécialisé dans ce qu'on appelle le lower body, c'est ce qui consiste à faire des tours du monde, des doubles tours du monde avec les jambes. Et là, bah, pour l'année prochaine, je prépare les championnats du monde et le championnat de France pour très bientôt. Et donc là, on a Indiana Jones qui fait du jonglage avec le ballon. Super! Bon, voilà, il est presque 20h, alors je suis devant le stade avec les supporters de la Estancie Lorraine. Les portes vont bientôt s'ouvrir et je suis avec un supporter un peu particulier puisque c'est le papa de Moudoudiane qui fait une bonne fin de saison, hein, parce que bon, c'était pas facile en début de saison pour lui de faire sa place, mais là il fait une bonne fin de saison. Tout à fait, et je pense que bon, comme il l'a dit il n'y a pas longtemps, il s'est accroché. Parce que le football, finalement, c'est que ça. Hein. Donc, ou même dans le cadre de la vie courante, il faut toujours s'accrocher dans ce qu'on fait. Et Moudou, il n'a jamais lâché. Il a un bon mental. Et aujourd'hui, je pense qu'il est récompensé de cela. Vous êtes fier du fiston, je suppose? Ouais, je suis très fier. Je suis très fier du fiston parce qu'il écoute. Il écoute et ça, c'est vraiment le must, on veut dire, hein, donc d'un parent par rapport à son fils.
Et je crois que voilà, s'il continue comme ça, voilà, il fera une grande carrière de foot. Quoi. Donc là, chers amis internautes, nous sommes dans les salons du troisième étage. On fait un œuf parfait. En fait, c'est un œuf qui est cuit à 63 degrés et qu'on sert avec une petite brunoise de courgette et une petite sauce américaine. Et alors, c'est comme ça à chaque fois ? Bah non, ça change. Il y a des repas, des dîners assis, du cocktail dînatoire. Mais ce soir, c'est le match de la Ligue 1, donc c'est le cocktail dînatoire. Et est-ce qu'il y a du champagne pour fêter tout ça ? Écoute, j'espère. Hein. En tout cas, j'ai encore pas goûté, mais je vais m'en occuper. Donc là, on est sur le banc des remplaçants à quelques minutes du coup d'envoi avec Fetou, Tobias et Benoît. Bonsoir, messieurs. Benoît, ça va ? Ça va bien. Ouais, c'est la dernière de Nancy à domicile en Ligue 2. Le plus dur est fait, mais bon, il faut encore faire le job hein, pour ceux qui sont sur le terrain. Ouais, si on a envie que la saison soit réussie jusqu'au bout, c'est important de faire ce dernier match à domicile, de gagner pour faire une belle fête avec le public et puis voilà, ça récompensera tout ce qu'on a fait de bien à domicile cette année. C'est toujours des moments qu'on a envie de vivre hein, quand on est footballeur, d'être au-dessus, d'avoir du public derrière soi, c'est euphorisant. Ouais, c'est génial, c'est ce qu'on a envie quand on est footballeur, c'est dans des stades pleins, se faire plaisir. Autant on aime bien aussi quand c'est des matchs à pression, autant le fait d'être monté à 3 journées de la fin, ça fait aussi plaisir. Donc voilà, je pense que les joueurs vont essayer de prendre du plaisir et d'en donner au public. Comment s'appelle le petit Pedretti juste devant ? Lucas. Lucas, et donc c'est bien le fils de son père, puisqu'il a la même tête et le même coiffeur, hein, c'est ça ? C'est papa qui te coiffe en fait ? Non, c'est maman. Je viens de me prendre un vent. Eh ben, c'est maman, elle a dit. Bon match, Lucas. Bon match aussi. Merci beaucoup. Donc pendant que les joueurs sont en pleine pression, vous voyez que les kinés sont en pleine décompression. On n'a pas le droit de montrer certaines choses à l'image peut-être, c'est ça messieurs ? Si, on peut tout montrer ici, tout est transparent. Donc vous ne regardez pas le match en fait ? Si, c'est un peu des pressentiments avec Philippe, on reste toujours les deux premières minutes là, et après on les rejoint et là généralement on gagne. D'accord, vous êtes superstitieux alors ? Un peu oui. Ouais, donc Philippe, tu as mis ton short ou ton slip qui gagne, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. La tenue qui gagne. Et ça marche votre histoire là de 2 minutes en dehors du terrain ? Avec Olivier, on a remarqué quand même que quand on ne le faisait pas, ça se passait moins bien. Donc on le refait. C'est Coca-Cola, Orangina et Petit Four. Déjà pas mal. Oui, c'est déjà très bien, oui. D'ailleurs, c'est super comme concept que Nancy Lorraine récompense les 6 meilleurs au point club. Pour ça, c'est super. Est-ce que c'est une vue que vous aviez imaginé avoir un jour en étant supporter de Nancy ? Non, pas vraiment. Non. Être aussi près d'eux, non. Et puis voir cette vue-là, c'est assez c'est sympathique. Quoi. Si jamais il y a des ballons qui arrivent, vous êtes apte à les capter ? Sans problème, puisque justement, j'ai été gardien de but à Sainte-Marguerite où il y a Modou Diane. Tout va bien alors, voilà. On est tombé sur la perle rare. Donc les corners, c'est vous qui surveillez si le ballon est bien dans le demi-cercle. Ok, dans le quart de cercle. Hein. Bon voilà, il est 21h30, c'est la mi-temps. Alors je vais me tourner vers ceux qui ont les informations. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, à part que Dijon est pas trop bien, mais on va essayer d'en profiter. Mais c'est vrai Nancy est toujours devant. Donc Nancy est toujours devant et prend pas trop de risques pour l'instant. On espère avoir une deuxième mi-temps un peu plus emballée. Alors finalement, les joueurs des Vientenon-Gaillard, là, sont en Ligue en nationale. Oui, pour l'instant, ils sont passés dans la charrette et c'est assez surprenant d'ailleurs par rapport à leur comportement sur le terrain. C'est vrai qu'on s'attendait à avoir un match beaucoup plus dur à jouer. On va voir si ça va changer. Je suppose que ça va changer quand même pour la deuxième mi-temps, mais j'espère pour eux parce que sinon, ça va être très compliqué. Je pense qu'on a été l'équipe la plus régulière et voilà, on le prouve encore ce soir. En plus, meilleure défense, donc il y a beaucoup de choses positives. Honnêtement, qu'est-ce que ça te fait d'être dans les tribunes ? Quand tu vois l'ambiance, quand tu sais l'importance de cette rencontre, c'est... Bon, alors voilà, évidemment on soigne une blessure, mais est-ce qu'il y a un peu de frustration ou pas du tout ? Parce qu'on se dit, voilà, j'ai fait mon job aussi et j'ai pas de frustration. Si, forcément, c'est toujours frustrant de se retrouver en tribune, mais
Là, ce soir, c'est, voilà, il faut profiter de ces moments, même si je ne joue pas. C'est vrai qu'on a atteint l'objectif principal. Ce soir, peut-être le deuxième, qui est le titre de champion. Et c'est les choses vraiment les plus importantes. Donc, je suis moins frustré que d'habitude. Mais c'est vrai qu'en temps normal, c'est pas facile de regarder les collègues depuis la tribune. Oui, c'est un grand plaisir de retrouver toujours le président, tous les anciens collaborateurs. Un stade complètement garni. Il y a une ambiance vraiment sympa ce soir, donc c'est toujours un grand plaisir. Alors, dis-nous tout. Tu es venu repérer des joueurs, repérer le terrain pour la saison prochaine, pour donner des tuyaux au staff de Monaco. Je suis venu passer un bon moment, voilà, c'est tout. C'est le sourire du travail bien fait des joueurs. Voilà, c'est toute la récompense pour un entraîneur, c'est ça. C'est les voir fêter. Les voir s'approprier aussi d'un titre. C'est toujours important. Il n'y a pas de petites victoires, il y a des victoires. Ce titre vient confirmer qu'on était les meilleurs de toute la saison. Aujourd'hui, on savoure différents.